La forteresse de la Bastille. La plus célèbre prison d'Europe. Ces patients y sont dépossédés de leurs souvenirs quand ils arrivent. Ils ne leur sont rendus qu'une fois leur peine purgée. Incapables de se souvenir du monde, les prisonniers de la Bastille ne rêvent même plus d'y retourner. Ce modèle d'efficacité perverse est dirigé par Madame, la féroce gouverneure de la Bastille. Régnant sans partage sur les corps et les esprits, elle est la seule à connaître la clé des serveurs de confinement mémoriel. Après mon arrestation, c'est là-bas que j'ai été incarcérée avec les autres erroristes. Maintenant, Edge veut m'y renvoyer, pour libérer nos compagnons et ma mémoire sous séquestre. J'avoue qu'à l'idée d'y retourner et de retrouver qui j'étais, je frémis de joie et de terreur. Seule Madame dispose d'un accès au serveur mémoriel de la Bastille. Trace la garce. Trouve comment les atteindre. Et bonjour tout le monde, c'est Neova, on se retrouve pour une nouvelle partie de Remember Me. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à l'épisode 4, on part à l'assaut de la prison de la Bastille pour retrouver notre mémoire. Hop là. Bon alors, cet épisode sera coupé en deux parce qu'il est trop long. Du coup, il est assez long, je préfère le couper en deux, comme ça les vidéos sont pas trop longues à regarder. Hop. Bon. Alors là, on a un premier patch. Tu m'as fait sortir et maintenant faut que j'y retourne. Merci bien. Tous les erroristes comptent sur toi, Nilin. Tu dois entrer dans ces serveurs et libérer leur mémoire. Libère ta mémoire. Que la lutte reprenne, là où elle avait été interrompue. Voilà. Alors là, on a un indice pour un premier patch qui est juste à côté, là. Hop, faut faire attention parce qu'il y a un robot. Des drones. Et là, pas de rémanescence. Voilà, il y a un drone, mais comme il n'y a pas de rémanescence, on voit pas son cône de détection. Hop. Là, on a un boost de focus. Et on gagne un fragment de focus supplémentaire. Voilà. Ça va nous être bien utile. Alors, une fois que le robot sera passé, hop, on va en face. Voilà. Et là, il y a un des combats les plus chiants que j'avais fait lorsque j'ai commencé à jouer. C'est le plus dur, enfin, jusqu'à maintenant, c'est le plus dur que j'avais rencontré sur ma partie. Enfin, jusqu'à maintenant. Je me réexplique. Disons que ce combat est assez difficile parce que il y a 5 ou 6, enfin, il y a quelques invisibles. Et ils ont tendance à être rapidement casse-pieds, hein, on va dire ça comme ça. Et à ce niveau-là du jeu, moi c'est ce que j'ai trouvé du début jusqu'à maintenant, c'est le combat le plus dur que j'ai trouvé pour le moment. Il y en aura des plus durs par la suite, mais pour le moment c'est vraiment un des plus difficiles que j'ai trouvé. Voilà. Même si là je vais quand même le torcher rapidement, je pense. Hop, parce que je me suis quand même entraîné. Mais sur ma propre partie, j'avais bien galéré. Quoi. Hop là. Est-ce qu'il reste des invisibles? Je crois pas. Il y a peut-être que 3 ou 4 invisibles, mais en fait, comme il y a un timer sur la lampe et qu'il est assez court, ça devient vite gavant, on n'a pas le temps de faire un combo que la lumière s'éteint déjà, quoi. Voilà. Bon, alors là, on va aller chercher un souvenir mnésiste. Ou mnésis, je sais plus. D'ailleurs, j'irai choper une clé, qu'est-ce que c'est? J'en ai 2 de clés. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Là, on va mettre que de la recharge. Et là, j'aimerais bien me faire un combo d'attaque et un combo de soin, en fait. J'aime pas trop mixer les deux. Enfin, j'aime bien mixer, mais là, j'aimerais bien taper plus fort. Là, j'ai fait une boulette. C'est pas ça que je voulais faire. Là, je vais récupérer ça. Hop, je le mets à la place de celui-là. Voilà.
Ensuite, celui-là. Hop, voilà, je le place là. Et il me faudra un combo d'attaque en Y, mais je crois que j'en ai pas. Ouais. Hop. Voilà, je vais inverser ces deux-là, comme ça. Hop, j'aurai une attaque qui sera quand même assez puissante. Voilà, 370, c'est pas mal. Alors. Là, on va mettre du soin. Et puis là, on va mettre de la régène, allez. Enfin, de la régène de... Un pressing de recharge. De la recharge. Voilà, là, on a débloqué toutes les classes de pressing, il n'y en aura pas d'autres. Hein. Par contre, il y aura un quatrième combo qui va venir se surajouter après. Hop. Alors, faire des combos longs, apparemment, ça nous fait gagner des bonus d'expérience. Voilà. Et là, on a une mémoire, un souvenir mnésiste. Alors, par contre, je l'ai pas lu. Alors, c'est quoi? Je crois que c'est celui-là. Pic mondial de production en 2020. Il me semble que c'est celui-là, ouais. Toujours pareil, si vous voulez lire, je vous laisse mettre pause. Ça sera plus simple. Bon. Hop. Alors, la sortie. Par où est-ce que je reviens en arrière, moi? Ah, c'est par là. Ok. Alors là, je vais éviter de me casser la figure parce que je pense que ça fait mal. Je préfère prendre la voie classique plutôt que de prendre des raccourcis qui peuvent s'avérer dangereux. Quoique. Oh, j'aurais peut-être perdu un peu de vie, mais je serais peut-être pas mort. Je sais pas. Ah, ça serait à tester. Hein. Mais là, j'ai la flemme. Hop là. Bon, allez, on monte. Hop là. Et hop. Elle est quand même vachement agile, l'héroïne qu'on incarne. Un drone détruit par des leapers? Ça a dû chauffer. Moi, j'aurais aucune chance si je croise une de ces machines. Bien vu. Vérifie si tu peux récupérer le module de détection de ce drone déglingué. Voilà, un module Sensen vous permettant de visualiser la zone de détection des drones. Et là, j'ai envie de dire, mais comme ça tombe Quelle horreur. bien. Ton Sensen peut désormais intégrer et afficher les capteurs des drones que tu croiseras. Très utile. Dans certains jeux, on aurait dû chercher sur 3 ou 4 robots comme ça, éparpillés sur une grande map. Mais là, non, on trouve directement. C'est assez bien, je trouve. Ça permet de, ça évite de rajouter de la durée de vie artificiellement. Alors là, on passe là, hop. Abordage de la cellule. Voilà. Alors là, hop, on a un deuxième patch. Un indice pour un deuxième patch qui est pas très loin, encore une fois. Abordage de la cellule. Hop là, suffit de suivre le drone et c'est à droite, au fond à droite en fait. Voilà, ici, ça te patch. Et on gagne un fragment de vie supplémentaire également. On a gagné un fragment de focus tout à l'heure et maintenant c'est un fragment de vie. Oula, oula, Abordage de oula. la cellule. Voilà. Hop là, bon bah là je vais pouvoir monter. Avantage de la Voilà. cellule. La Bastille. La prison à visage humain. Quelle foutaise. Des machines aveugles au service d'une administration Avantage de la robotisée. cellule. Oh, cette odeur. Ce bruit. Il me colle à la peau. Pour t'infiltrer dans la prison, tu vas devoir intercepter une cellule vide et t'en servir comme d'un Avantage de ascenseur. la cellule. Mise à quai des cellules, c'est parti. Hop là. Voilà. Cette cellule. Je me rappelle cet endroit.
son désespoir. L'impression de ne jamais en sortir. Plus ils te font descendre, plus ils t'épluchent. Ils retirent les souvenirs, comme on ôtait autrefois aux prisonniers leurs ceintures et leurs lacets. Jusqu'où m'avait-il fait descendre? Reste cool, Frangine. Ce coup-ci, tu ne fais que passer. Alors là, je ne suis pas en train de jouer avec le feu, mais j'essaie de viser un scaramec qui est sur le côté, là. Voilà. Ok. Alors, il y en a deux ou trois qui sont assez difficiles à avoir ici, parce que c'est un peu limite. Voire dangereux de les tenter. Il y avait celui-là, il y en a deux autres encore. Là, on va attendre que le drone passe dans l'autre sens. Hop. Et ensuite, on peut y aller. Voilà. Hop là, là, même topo. On attend qu'il passe et on le feinte. Alors là, on a un autre scaramec qui est assez, assez vicelard aussi. Mais les scaramecs, moi, j'en ai trouvé quasiment aucun sur ma partie. Hein. C'est un truc de fou, faut chercher. On ne sait pas comment on fait pour tomber dessus. C'est un truc de malade, quoi. Bon, alors là, je vais aller chercher un souvenir mnésiste. Hop là. Voilà, dans la cellule du fond là. Histoire de Néo Paris. Alors je ne me souviens plus ce que je vous ai montré, ce que je peux montrer. Bah ça je vous l'ai déjà montré. C'est ça? Je sais plus. C'est les monuments? Non. Je sais pas, à vrai dire, je sais pas. Il y en a certains que je vous ai pas montré. J'ai dû oublier de le faire. Il y en a certains qui me disent absolument rien. Donc, je sais pas. On attend qu'il passe dans l'autre sens et hop. Faut faire bien attention de pas rentrer dans leur... comment ça s'appelle? Dans leur cône de détection, là, leur... dans la zone de détection, sinon on se fait one shot. Hein. Alors là, hop, au plafond, on a un scaramec. Non officiel, qu'un grave accident de métro s'est produit dans le tunnel 404. Étonnant, étant donné qu'aucune ligne n'est exploitée dans ce quartier depuis presque 50 ans. Encore un sabotage de Edge et de sa petite copine. À moins qu'il ne s'agisse d'une imitation de train fantôme pour attirer les touristes vers ce quartier pourri. Quoi qu'il en soit, c'est un scoop. Et c'est Maggie qui vous l'a dit. Voilà. Hop là. Il y a des écrans un peu partout. Ce qui est bizarre, on soit dans une prison où on leur retire quand même la mémoire. Mais là, ça doit être pour le personnel, je suppose. Ça doit pas être pour les prisonniers, cette partie-là. Hop. Alors ici, je suis rentré parce que je voulais vous montrer l'indice pour trouver le prochain patch. Hop. Alors là, on a un scaramec aussi sur le mur en face. Voilà. Alors là, il va falloir faire bien attention. Hop là, ça passe tout juste. Alors là, non, je vais pas tenter parce que je risque de crever. Oula, oula. Non ! Pas trop tard. Bon, bah alors ouais, quand je vous disais que ça one-shot ces robots, c'est pas de la déconnade. Hein. Par contre, est-ce que ça m'a sauvegardé le scaramec que j'avais récupéré ici? Ouais, c'est bon. Par contre, est-ce que ça m'a sauvegardé le suivant que j'ai récupéré contre le mur, là? Bon, là, vous avez vu ce qu'il y avait en face, c'est inutile de re-rentrer dedans. Hop là, allez, pars-toi dans l'autre sens, toi, s'il te plaît. Non, le scaramec, ça me l'avait pas compté. Bon, j'ai bien fait de vérifier, quand même. Hop là. Bon, là, on attend parce qu'il y a le patch au fond de ce couloir. Hop. Alors, chose à noter, quand même, la vitesse de déplacement des drones et la vitesse de déplacement de notre personnage est à peu près identique. Ce qui fait que si vous êtes à la lisière de la barre de détection, normalement, vous ne devriez pas vous faire détecter. Hein. Faut vraiment s'arrêter ou... enfin, voilà, quoi.
Les vitesses étant identiques, vous n'avez pas de risque de vous faire rattraper par le drone. Normalement. Je dis bien normalement. Bon, allez. Hop, là, on descend. Voilà, lui, il a fini de bosser. On va pouvoir passer à la zone suivante. Là, excusez-moi. Je vérifie un peu dans mes notes si j'ai bien récupéré tout ce qu'il faut. Ouais, c'est bon, apparemment. Parce qu'en fait, il y a tellement de trucs dans les niveaux que je note un peu, parce que sinon, je m'y retrouverai plus. Ah, sergent Vaughan, autant j'apprécie vos compétences, autant j'exige des spécimens d'une qualité minimale. J'ai besoin de candidats en bonne santé, pas de victimes traumatiques. Ouais, c'est ça. Collez-moi un rapport. Rappel d'agenda. Madame et le docteur Fred sont attendus parfait. En salle d'interrogatoire. Eh bien, je rapporterai votre manque de sérieux à madame. Nous verrons bien ce qu'elle en pense. Sandek, j'ai tellement trop peur, connard. Il n'y a pas à dire, il a l'air réellement effrayé. J'ai déjà vu ce sergent Vaughan. Mauvaise vibe. Le pire, il sait comment exploiter le système de sécurité à son avantage. Il en connaît les pièges. Suis-le et dérobe ses secrets. C'est le seul moyen de t'approcher de madame. Salut les filles. C'est l'heure de la fouille. Alors moi, j'entends un mec qui rentre dans les vestiaires alors que je suis dedans en train de me changer. Je me casse en courant si jamais il dit ça. Hein. Bon allez, c'est parti, petit combat. Hop, contre des nouveaux types d'ennemis. Il me semble... Ah non ! Mais merde ! Bon alors, j'ai eu droit à un petit verrou cérébral. Du coup, mes pressen puissants sont... Comment ça s'appelle? C'est pas des pressen puissants, mais S-pressen, je crois que ça s'appelle. Sont verrouillés, entrent en cooldown. Ce que je vais faire, c'est que je vais diminuer, voire supprimer ce cooldown. Parce que... Ah! Putain, j'ai mal. Ouais, oh, qu'est-ce qui se passe, là? En entraînement, ça se passe toujours super bien, mais alors dès que je commence à filmer, c'est une catastrophe. Allez, hop. Aïe. Alors là, j'ai esquivé, j'ai pas trop compris comment j'ai pris un coup, mais bon, c'est pas grave. Hop. Ouais, bon, j'arrive à finir mes combos une fois sur deux, quand même. Bon. Oui, je sais, conseille le timing des combos, blablabla. Allez. Eh ben, je suis pas rendu, moi. Voilà. Hop, aïe. Mais ça fait mal. Bon allez, on va se soigner un peu. Hop. Voilà. Allez, hop. Punaise, mais c'est pas possible. En fait, quand il y en a 2 ou 3, ça va, mais alors dès qu'il y en a plus de 3, ça commence à être un peu la galère au niveau des esquives. Aïe, oh. Mais bon, faut ces deux-là. Aïe, oh. Vas-y, donne-moi de la vie, toi. Hop là, oh, je spam la régène, là, de toute façon. Voilà, impeccable. Moi, aucune chance, ouais, je crois que t'as raison, ouais, j'ai aucune chance. Viens là, tu vas voir. Viens tâter de mon Sensei Fury. Allez, prends-toi ça dans les dents. Voilà, ça c'est une bonne chose de faite. Et ça, c'est pour tout ce dont je ne me souviens plus. Bien joué, Frangine. Tu possèdes les clés du royaume. La Bastille est à toi. Cool. Alors, première rémanescente... rémanescence, pardon. Hop là. Voilà.
Ouais, mais non. Vas-y, ouvre-toi. Merci. Hop là, Sésame, ouvre-toi. Ici surveillant 1242. Interception en cours. Alors, le Junk Bolt brise le bouclier des enforceurs lourds. Appuyez sur LB pour cibler et RT. Ouais, RT pour tirer. Hop là, donc on leur pète leur bouclier, ensuite on peut les tuer normalement. Alors, le problème c'est que dès qu'ils ont un bouclier, ils ont tendance à charger. Ils ont une attaque spéciale, ceux qui ont les bâtonnets électriques nous font le verrou cérébral. Et eux, ils ont tendance à nous charger dessus, à nous rusher sur la tronche. Et c'est pas très très sympathique comme attaque, ça fait même assez mal. En plus, ça vous paralyse un petit peu, du coup. Ouais, faut faire gaffe. Moi, j'ai tendance à péter les boucliers dès le début des combats, comme ça, ça me simplifie la vie. Ici, on a Amnésiste. Monument de Néo-Paris. Alors. Hop, ça doit être la forteresse de la Bastille. Si vous voulez lire, je vous laisse mettre pause, comme d'habitude, topo habituel. Voilà. Hop là. Alors là, en fait, on revient en arrière dans la salle précédente. Et voilà la suite du niveau. Bon. Nouvelle zone de combat. Hop. Avec encore des enforceurs, dont des mecs avec des boucliers. Allez. Bon, j'ai tendance, moi, à esquiver tout le monde tant que j'ai pas éliminé les... Tant que j'ai pas éliminé ceux qui pourraient me poser des gros problèmes. Genre un ennemi qu'on va croiser un peu plus loin et les mecs avec les boucliers. Histoire de... Comme ça, je puisse les tataner tranquillement. Oh. Hop là, voilà. Ah, il y a un overload là. Hop. Hop là, un autre overload. Bah alors, il est bien résistant, lui. Voilà. Un virus Sensen explosif qui détruit les boucliers des enforceurs et inflige des lourds dégâts à toutes les cibles aux alentours. La bombe logique. Encore un truc qui est bien pratique. Et franchement, qui dépote. Hop là. Ça fait très mal. Hop, lui, on peut lui faire un overload directement. Voilà. Bon, maintenant, faut qu'on s'occupe de ses potes. Hop là. Allez. Oh là là, mais c'est pas possible, mais laissez-moi faire mes combos tranquille quoi. Aïe. Ouais. Allez. Allez. Voilà. Bon allez, hop, la furie, c'est parti. Parce que là, ça commence à être un peu longué et ça me gonfle. Voilà. Bon, bah, une bonne chose de faite. Quand j'aurai récupéré mes souvenirs, je peux faire l'impasse sur Vaughan. Je me passe volontiers des fumiers de son genre. Voilà. Ton passé ne peut plus te blesser, Frangine. Pense à ta mission.
Bon bah voilà, bah la prochaine cinématique, je vais m'arrêter. Hop, déjà là on a un Scaramec. Donc je pense que ça va être là, voilà. Bon bah après cette porte là, je vais m'arrêter. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve la prochaine fois pour la fin de l'épisode 4. Merci de vous regarder, allez à plus. Madame, il y a eu une intrusion dans les vestiaires des gardes. Développez, je vous prie. Le sergent Vaughan a été agressé. Effacement mémoriel total. Trouvez-moi cet intrus et vite! Doublez les patrouilles. J'active le Brain Drainer. La seule personne habilitée à jouer avec les mémoires ici, c'est moi!